Alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur l'horoscope 2023, signe par signe, pour les 12 signes du zodiaque. Donc je vais commencer par le signe du bélier, donc je vais faire les trois décans. Alors les premiers décans sont les natifs nés du 21 mars au 31 mars, alors en moyenne, hein, parce que ça dépend des années, ça peut être un ou deux jours avant ou après. Les deuxièmes décans sont les natifs nés du 1er avril au 10 avril. Et les troisièmes décans sont les natifs nés du 11 avril au 20 avril. Alors, je vais commencer par donc les natifs bélier premier décan. Alors, qu'est-ce que vous aurez en 2023? Alors déjà, vous avez Jupiter qui va arriver en bélier, enfin qui commence d'ailleurs son retour en bélier dès cette fin d'année 2022. Et donc, du 1er janvier, on va dire, au 20 février, donc pendant un peu plus de un mois et demi, vous aurez ce Jupiter qui va faire une conjonction à votre soleil natal. Alors ça, c'est plutôt positif, ça vous donne beaucoup d'optimisme, de joie, de croissance, de bien-être, de vitalité, d'expansion. Voilà, on sent comme un vent de fraîcheur, de renouveau, d'allant qui vous sied bien et de confiance en vous, qui vous permet d'arriver à beaucoup de réussite. Donc profitez de cette période de début d'année qui commence, on va dire, sur les chapeaux de roue, flambant neuf, avec beaucoup d'opportunités sans doute. Alors tout dépend après dans quel domaine ces maisons tomberont dans votre thème, parce que bien sûr c'est un horoscope solaire, comme on dit, c'est assez général. Rien ne vaut la consultation avec un astrologue pour une consultation d'un horoscope personnalisé, comme on dit. Donc là, je ne peux pas rentrer dans les domaines trop précis, mais voilà. Déjà, vous avez une conjonction avec Jupiter qui est très positive. Et ça amène beaucoup d'enthousiasme, d'opportunités, de réussite en général. De chaleur, d'épanouissement, de bienveillance, que sais-je. Il y a beaucoup de choses qui peuvent vous rendre optimiste. Ensuite, pendant cette période, vous aurez en même temps le soleil qui va faire un beau trigone à votre lune noire, enfin la lune noire en Lion, du 9 janvier au 8 avril. Donc ça peut vous donner, si vous voulez, beaucoup de puissance au niveau de votre ego. Vous pouvez rayonner, trouver une facilité pour sublimer certaines actions dans le domaine, par exemple, des amours. De la créativité, de la relation à vos enfants. Il peut y avoir des réparations qui peuvent se faire, des solutions, des choses assez psychiques, psychologiques aussi, qui peuvent vous aider. Le sextile aussi, donc à Pluton en Verseau, dès le 23 mars au 11 juin, va vous aider aussi à vous sentir dans un changement positif. Vous allez vous sentir comme un renouveau, en fait, un changement positif dû avec cette alliance de Jupiter en Bélier qui a eu lieu juste avant. Donc vous allez sentir vraiment, avec ce passage de Pluton en Verseau, comme un vent de renouveau, de changement positif dans votre vie. Alors encore une fois, ça reste général, j'ai pas les domaines de vie en question, mais voilà, il y a quelque chose comme un nouveau démarrage qui se fait, on va dire, plutôt positif pour vous. Ensuite, il y a les aspects de Mars qu'on va prendre. Alors Mars est une planète importante chez vous car c'est votre planète maîtresse. Donc vous allez commencer positivement avec un beau sextile de Mars en Gémeaux, hein, du 1er janvier au 31 janvier, donc tout le mois de janvier. Alors sans doute beaucoup d'actions liées forcément à ce qu'on veut, comment dire, à ce qu'on établit, ce qu'on veut, ce qu'on pense, ce qu'on veut mettre en pratique. Donc là, c'est plutôt positif pour vous. Alors c'est vrai qu'il y a toujours le passage rétrograde jusqu'au 12 janvier, mais il y a quand même un passage très positif pour les premiers décans, là, au niveau de l'action, l'énergie, donc beaucoup d'énergie. On peut être si à droite à gauche, faire beaucoup de choses, on a beaucoup d'idées à mettre en pratique, voilà. Alors en revanche, attention, à partir du 26 mars au 14 avril, votre soleil sera carré à Mars en Cancer. Donc là, attention, il risque d'y avoir un peu d'agitation dans l'air, comment dire, de réactivité, surtout émotionnelle, hein, au Cancer. Donc attention aux réactions un peu soupolées ou de mauvaise humeur. On peut se sentir un peu agressif ou être agressé à ce moment-là et donc réagir assez
brutalement, une période un peu plus délicate. En revanche, ensuite, le Soleil sera trigone à Mars en Lion du 21 mai au 7 juin. Donc là, vous aurez vraiment à nouveau un fort potentiel de vous affirmer, d'agir vraiment avec le cœur, avec ce que vous avez envie de faire, avec une forte volonté. Donc c'est une période très positive pour, encore une fois, pour agir avec beaucoup de volonté et d'ambition. Ensuite, vous aurez le Soleil qui sera quinconce à Mars en Vierge du 11 juillet au 27 juillet. Alors là, en revanche, une petite dichotomie par rapport à le besoin d'agir de manière aussi pragmatique, très rangée, très organisée, qui peut parfois vous déstabiliser un peu par rapport à ce que vous avez envie de faire sur le moment en tant que Bélier. Donc c'est vrai que pendant cette période d'été, là, pour y avoir des choses à remettre en ordre, mais pas, voilà, c'est pas très méchant. Par contre, le Soleil sera ensuite opposé à Mars en Balance du 28 août au 12 septembre. Donc là, à la fin de l'été, là, vous allez sentir que bah, il faut préparer la rentrée, donc peut-être beaucoup de choses à agir en conséquence, prendre en compte peut-être des actions de l'autre, des parties communes, que ce soit le conjoint ou autre. Il peut y avoir un peu de rivalité à ce moment-là. Donc attention aux débats, aux mésententes, voilà, aux conflits, une période un peu conflictuelle, on va dire. Donc essayez de vous ménager à ce moment-là. Ensuite, le Soleil sera quinconce à votre Mars en Scorpion du 13 octobre au 27 octobre. Donc là, encore une fois, il peut y avoir un léger problème par rapport à l'action qui peut être un peu vindicatif parfois. Mais voilà, elle reste pas violente. Elle est plutôt rechercher des points, des aspects en profondeur de vous-même ou des autres qui permet de peut-être agir pas comme vous le voudriez à un moment donné. Voilà, donc ça peut être des petites tensions mais légères. Et enfin, vous aurez un beau trigone de Mars en Sagittaire du 25 novembre au 8 décembre environ. Donc là, encore une fois, une action expansive qui va de l'avant, optimiste, joyeuse, gaie, où vous pouvez vraiment aller de l'avant, agir pour un idéal, qui sait, pour peut-être un voyage ou voilà, ou pour des conceptions supérieures, enfin des idéaux, et vous voudrez à cœur de vouloir mettre en pratique tout cela. Donc voilà, si pour le premier décan. Ensuite, je vais parler donc le deuxième décan. Alors, il y a des petites variantes. Alors, le deuxième décan, vous aurez, vous, le Soleil qui sera conjoint à Chiron en Bélier toute l'année. Donc là, encore une fois, une action, comment dire, votre volonté s'allie, on va dire, à un besoin de guérir, de guérison, on va dire, de vous-même, comment dire, vos états du moment. Donc vous pouvez être, vous sentir une âme un peu charitable, guérisseuse, avec, alors tout dépend encore une fois du domaine en question, mais vous pouvez avoir, voilà, ce côté vraiment besoin de soigner les choses. Alors, si c'est mal inspecté, cette conjonction, parce qu'elle peut être aussi mal inspectée par d'autres planètes, vous pouvez recevoir en revanche des blessures, des choses qui peuvent vous blesser, des petites choses qui se peuvent réactiver sur le moment. Voilà. Donc, ce sera après affiné selon votre thème. Vous aurez donc ensuite du 21 février au 5 avril une conjonction de votre Soleil à Jupiter. Donc du 21 février au 5 avril, conjonction à Jupiter en Bélier. Donc là, très positif encore une fois par rapport à l'expansion, l'épanouissement, beaucoup de réussite, d'opportunités. Voilà, vous allez vous sentir pousser des ailes et vous allez vous sentir beaucoup en action, en mouvement pour réaliser et faire beaucoup de choses. Voilà, donc période très favorable pour vous. Ensuite, il y aura le sextile à la lune noire en Lion du 8 avril au 7 juillet. Donc ça prendra un peu le relais quelque part. Donc encore une fois, très positif pour revoir des choses en profondeur, combler un manque qui peut on va dire, peut-être en amour, hein, lune noire en Lion par rapport à votre ego. Ça peut être un rapport avec les enfants ou une solution pour des domaines affectifs qui peuvent se mettre en place. Voilà, on peut sublimer certaines créativités aussi par
par plusieurs méthodes, des moyens divers et variés. Donc, assez positif dans l'ensemble. Ensuite, le transit de Mars, sextile de Mars à Gémeaux, donc du 31 janvier au 4 mars. Donc, beaucoup une bonne action, une bonne énergie. Vous pourrez le mettre à profit dans la communication, les échanges. Donc, encore une fois, à partir du 12 janvier plutôt, car Mars reviendra direct à ce moment-là. Mais voilà, beaucoup d'actions positives pour mettre. Pour faire ce qui vous plaît, voilà. Ensuite, du 15 avril au 3 mai, le Soleil sera en carré à votre Mars en Cancer. Donc là, en revanche, attention à certaines tensions, l'irritation, les risques de peut-être d'agressivité, un peu d'énervement, hein, sur le point de vue émotionnel. Donc on peut se sentir un peu irritable à ce moment-là. Donc canalisez un peu votre énergie et essayez de maîtriser vos nerfs. Ensuite, du 7 juin au 24 juin, votre Soleil sera trigone à Mars en Lion, donc là, plutôt positif pour une action chaleureuse, ambitieuse, où on peut mettre en exergue beaucoup de volonté, de cœur à un ouvrage. Voilà, on peut vraiment agir par amour pour certaines choses, et ce sera bien vécu. Donc beaucoup de chaleur dans l'action, beaucoup d'opportunités, on peut imposer ses idées aussi, imposer sa manière de voir les choses, hein, de mettre en pratique certaines actions. Alors ensuite, le Soleil sera en quinconce à Mars en Vierge du 27 juillet au 12 août. Donc là en revanche, une petite tension, on va dire, pour mettre en pratique les idées à la rentrée, comme j'ai dit. Donc ça peut être des problèmes d'organisation, de mettre en place certaines choses. Donc ça peut parfois un peu irriter, mais c'est pas méchant. Donc il peut un peu avoir un peu d'irritation pour des détails, hein, mais c'est pas trop grave. Ensuite, en revanche, donc là, le Soleil sera opposé à Mars en Balance du 12 septembre au 28 septembre environ. Donc là, attention, encore une fois, risque de conflit, alors peut-être dans la relation de couple avec un conjoint ou une conjointe. Donc là, encore une fois, tout dépend encore une fois de votre thème, et de la situation, mais voilà, il peut y avoir des conflits avec. Des rapports, soit avec la justice aussi, ou alors avec d'autres, si c'est le cas, hein. S'il y a des affaires en cours, par exemple. Donc, il peut y avoir voilà, des mésententes avec des partenaires. Ensuite, le Soleil sera quinconce à Mars en Scorpion du 27 octobre au 11 novembre. Donc, encore une fois, un petit léger problème de maîtriser vos nerfs. Donc, il peut y avoir un peu d'agacement, on va dire. Donc avec le scorpion, ça peut piquer, ça peut être un peu des actions qui peuvent un peu agacer, énerver, donc on peut se sentir un peu irritable, mais c'est encore une fois, c'est pas très méchant. Et enfin, le Soleil sera trigone à Mars en Sagittaire du 8 décembre au 23 décembre, en fin d'année, donc un très beau Mars en Sagittaire où on va agir avec beaucoup d'assurance, d'épanouissement, de confiance en soi, d'optimiste. On voudra voilà, peut-être agir pour un voyage, pour certains idéaux. Donc voilà, c'est un beau Mars pour mettre en pratique certaines idées et certains projets que vous pouvez avoir à cœur, par exemple. Enfin, les troisièmes décans, donc les natifs nés du 11 avril au 20 avril en moyenne. Donc vous aurez un Soleil qui sera conjoint à Eris en Bélier toute l'année. Donc avec Eris, alors c'est plutôt, on va dire, une planétoïde, on va dire, collective, mondiale, donc elle bouge très peu. Vous pouvez sentir un peu de, peut-être en vous, un besoin de rassembler ou de diviser. Donc tout dépend en fait de comment sera vécu l'aspect, mais cette part un peu de décalage en soi, on peut être un peu tiraillé entre deux bords, entre guillemets, mais voilà, après c'est très relatif, c'est une planétoïde très rente, on a du mal encore à la cerner. Donc pour l'instant, voilà, je ne vais pas trop m'étendre dessus. En revanche, vous aurez le carré de Pluton en Capricorne
du 1er janvier jusqu'au 22 mars, donc pendant les 3 premiers mois là. Donc là, attention, vous allez encore sentir, donc c'est la dernière ligne droite, on va dire, de peut-être un passage qui était assez difficile déjà, même en 2022, où tout a pu tomber en éclats, voler à volo. Vous avez pu vraiment être dans une phase un peu de changement radical et assez pénible, assez difficile à vivre. Ça a pu être des luttes de pouvoir avec soit le rapport avec les hommes ou avec une hiérarchie ou ça peut être un patron ou autre. Et donc on peut être en révolte intérieure encore et avoir des gros problèmes qui peuvent se réactualiser encore pendant ce premier trimestre. Alors ça peut jouer aussi éventuellement sur la santé, mais ça encore une fois ça reste à voir au niveau du thème. En revanche, à partir, enfin, au même moment, on va dire du 1er janvier au 6 mars, vous aurez un sextile de Saturne en Verseau. Donc malgré cette période un peu chaotique, vous pourrez quand même stabiliser certaines choses. Vous pouvez trouver quand même une assise et trouver moyen de vous structurer, de vous poser et de vous sentir un peu plus sérieux dans ce que vous devez, comment dire, régler peut-être. Alors peut-être par rapport à des choses, des projets ou voilà, tout dépend encore une fois de votre thème. Donc une période, on va dire, un premier trimestre un peu en demi-teinte en fait. Au même moment, vous aurez aussi, alors j'ai oublié de parler du carré de votre soleil à la lune noire en cancer, hein, qui sera effectif juste les 8 premiers jours de la première semaine de janvier. Alors ça peut donner un peu de nostalgie, de zone d'ombre, on peut se sentir un peu mélancolique peut-être, ou avoir un souci, alors peut-être d'ordre familial ou émotionnel. Alors voilà, on peut avoir une petite période de dépression peut-être, ou de coup de blues, donc c'est très passager. Ensuite, il y aura un trigone à la lune noire en Lion, hein, juste après, donc du 8 avril au 7 juillet. Donc là, en revanche, ce sera beaucoup plus positif, vous allez peut-être vous ressentir plus en confiance. Et pouvoir sublimer certains problèmes, certains peut-être deuils, ou peut-être comment dire, vous gratifier de certaines choses qui peuvent vous combler et vous valoriser. Alors il peut y avoir un rapport avec les enfants, avec l'amour, avec votre créativité à ce moment-là qui peut être importante, hein. Donc là, c'est quelque chose qui peut être comblé, vous sentir plus en adéquation avec ce que vous faites. Ensuite, le Soleil sera conjoint à Jupiter en Bélier, donc du 5 avril au 16 mai. Alors encore une fois, là, c'est très positif, hein, d'une manière générale, ça peut vous donner un coup de boost. Vous allez vous sentir vraiment boosté, aller de l'avant, être beaucoup plus optimiste, surtout dans les choses que vous voulez faire, dans l'action. Donc, comme vous êtes un signe d'action, vous agissez, là, vous allez vous sentir vraiment et vous allez vouloir vraiment aller jusque au bout de ce que vous voulez faire, enfin vous allez vouloir vraiment agir avec chaleur et enthousiasme. Ensuite, vous aurez comme un passage donc qui est important à noter chez vous, troisième décan, avec une conjonction du nœud nord qui passera en bélier du 18 juillet au 12 janvier 2024. Donc on va dire la deuxième partie de 2023 jusqu'au début 2024, vous allez avoir peut-être un moment important pendant cette période-là à vivre, car le nœud nord apporte toujours une avancée. Alors, elle peut être plus ou moins bien vécue, mais il y a toujours un passage, on va dire, sur votre chemin de vie qui sera assez déterminant. Donc, peut-être à suivre pendant cette période-là. Voilà, qu'est-ce qui peut. Ça peut être un changement de vie radical, un déménagement, ou peut-être un changement d'orientation, de travail, ou promotion, que sais-je, un nouvel amour, ou un truc qui vous. Un événement qui peut vous porter un nouveau, sans doute peut-être démarrage ou quelque chose, voilà, de très important. Alors plutôt en positif normalement, mais ça peut aussi, des fois, malheureusement, le nœud nord peut être vécu négativement, mais c'est souvent, on dit un mal pour un bien, donc si vous vivez des choses difficiles, c'est pour que vous évoluez dans le bon sens. Ensuite, on va parler de la planète Mars, qui est votre planète maîtresse, donc très importante. Chez vous en particulier, donc il y aura un premier sextile donc à Mars en Gémeaux du 4 mars au 25 mars 2023. Donc bonne action, vous aurez envie d'agir avec
aller, enfin, mettre en pratique vos idées, donc beaucoup d'actions, de choses à mettre sur le papier, dans les faits, donc peut-être beaucoup d'énergie à dépenser à droite, à gauche, donc peut-être beaucoup voilà, d'énergie avec des proches aussi, avec des connaissances pour dans la discussion, pour aussi mettre en exergue certaines choses dont vous avez besoin voilà, de réaliser. Ensuite, attention cependant, il y aura un carré à Mars en Cancer du 3 mai au 20 mai. Donc là, en revanche, vous pouvez vous sentir un peu irritable, un peu en tension, voire agressive ou agressif. Donc attention dans cette période-là de pas, voilà, de pas être trop soupoilé, de pas réagir trop sur l'émotionnel, hein. C'est un Mars qui est dans un signe d'eau, d'émotion, donc ne pas trop réagir sur le coup de la colère, de l'émotion, donc prendre du recul à ce moment-là, c'est pas toujours évident. En revanche, il y aura un beau trigone avec un Mars en Lion du 24 juin au 10 juillet, donc là, vous pouvez agir avec vraiment audace, témérité, chaleur et imposer vos idées, imposer votre manière d'agir. Enfin voilà, vous allez agir avec le cœur aussi, donc beaucoup de vouloir mettre voilà, comme on dit, du cœur à l'ouvrage. Donc là, c'est très positif. Alors, ça peut être aussi par rapport aux amours, agir pour vos enfants si vous en avez, agir pour une certaine créativité. Ça peut être pour les spéculations, les jeux d'argent. Voilà, il peut y avoir beaucoup de choses qui peuvent être mises en avant pour vous à ce moment-là, où vous pouvez rayonner et vous sentir vraiment conquérant, voilà, voire héroïque. Ensuite, cependant, le Soleil sera en quinconce à Mars en Vierge du 12 août au 27 août. Donc là, attention, vous pouvez être un peu irritable, un peu désordonné, où vous avez besoin de remettre des choses dans l'ordre en cette fin d'été. Donc peut-être revoir certaines choses qui peuvent, voilà, un peu vous sembler dichotomiques, hein. Vous ne savez pas comment allier votre besoin d'action et ce besoin d'organisation, d'analyse qui peut parfois vous énerver, vous sentir un peu dépassé ou irritable. Donc voilà, c'est léger. Par contre, le Soleil sera opposé à Mars en Balance du 28 septembre au 12 octobre. Donc là, attention au risque de conflit envers des partenaires, que ce soit au travail ou dans la sphère du couple. Donc attention là de ne pas être trop irritable non plus, avec des conflits, des problèmes de contrat aussi. Voilà. Donc le rapport à l'autre sera peut-être mis en avant à ce moment-là. Enfin, donc le Soleil sera quinconce à Mars en Scorpion du 11 novembre au 24 novembre. Donc encore une fois, risque d'irritabilité légère. On peut se sentir un peu agacé. On a besoin d'avoir un peu de mordant, où il faut ménager un peu, mettre de l'eau dans son vin, de pas trop être piquant. Alors, on peut se sentir un peu piqué, voire piquant, mais ça reste léger. C'est pas, voilà, c'est pas très méchant. Et enfin, Soleil Trigone Mars en Sagittaire du 23 décembre au 31 décembre. Donc la bonne action, très chaleureuse, très enthousiaste. Et vous pouvez vraiment agir pour un idéal, pour des conceptions, pour des voyages, que sais-je, pour tout ce qui vous motive, tout ce qui vous fait aller de l'avant. Donc très très belle configuration cette fin d'année. Donc voilà ce que j'ai pu dire sur cet horoscope 2023 pour le signe du Bélier. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner, c'est important. Vous pouvez me consulter pour une consultation privée de votre horoscope personnalisé. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine vidéo. Portez-vous bien, au revoir.